Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. Et bienvenue sur ce Vlogmas numéro 6. Alors aujourd'hui, donc là ce matin, j'ai préparé mon repas avant même de commencer à travailler. Comme ça c'est fait, j'ai tout lancé. Et comme ça maintenant je peux me concentrer uniquement sur le travail. Donc ce matin, ce que j'ai à faire, comme tous les vendredis matins, c'est mes emails. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoient des photos de leurs créations par email. Vraiment, j'adore voir toutes vos créations. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un petit diaporama pour vous montrer un petit peu tout ce qui est fait, toutes les jolies coutures qui sont faites grâce à mes tutos ou mes patrons. Allez, c'est parti pour le diapo. Regarde ce que j'ai là! Je suis trop contente! Le nouveau magazine de la Coupe d'Or! Ah, je suis trop contente! Merci, merci la Coupe d'Or, merci Caro! Ah, c'est trop trop bien! Coucou, on est l'après-midi. Alors, ce matin, j'ai passé bien la matinée à traiter tous mes emails. Et j'ai eu aussi, alors je pense que tu l'as remarqué, mais depuis quelques vidéos, ce n'est plus moi qui fais le montage vidéo de mes tutos couture, je l'ai fait faire par une monteuse. Et donc là, aujourd'hui, ça y est, j'ai reçu le tuto que je mettrai en ligne ce soir. Il s'agit du panier Miss Cactus, donc tu le verras. Je te mettrai le lien dans le petit i si jamais tu l'as pas vu. J'ai trop adoré coudre ce petit panier, c'était vraiment trop chouette. D'ailleurs, j'ai prévu d'en faire d'autres. Et donc voilà, je sais pas si ça se ressent, mais de pouvoir faire monter mes vidéos par quelqu'un d'autre, mais ça m'enlève vraiment un poids, donc j'en parle assez régulièrement sur Twitch. J'en ai pas trop parlé ici, et en fait, vraiment, ça me soulage vraiment de ne plus avoir le montage vidéo à faire. Et voilà, donc je suis vraiment très très contente d'avoir trouvé Virginia, elle s'appelle Virginia, pour faire mes montages de tuto couture. Donc je lui ai pas demandé de faire les studio vlogs, hein, mais parce que déjà les tutos couture, c'est quand même pas mal. Et voilà. Donc ce qui me permet à moi de créer plus de tutos, plus de vidéos comme ça. Parce que derrière, je n'ai pas besoin de m'occuper du montage. Parce que le montage, ça prenait vraiment énormément de temps. Donc j'aime bien quand même, j'aime bien faire ça. Mais j'avais envie de passer plus de temps à créer plutôt qu'à faire du montage vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, hein, ça fait un petit moment que tu sais que j'ai envie de déléguer un petit peu les choses que je fais parce que j'ai envie d'avancer un peu plus, de proposer plus. Et voilà, donc là j'ai reçu la vidéo ce matin, je l'ai visualisée et il n'y a rien à redire. Voilà, donc ça fait quelques vidéos, là je crois que ça fait 4 ou 5 vidéos qu'elle fait pour moi. Donc les premières, il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble, donc il y avait toujours des petits trucs à revoir. Là voilà, la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire, c'est exactement ce que j'attends. Et elle me donne exactement ce que j'ai envie de voir. Donc c'est vraiment top. Vraiment, je suis trop contente, j'espère qu'elle voudra bien continuer après aussi l'année prochaine. Parce que ben moi, ça me permet de créer plus, hein, tout simplement.
et de pas stresser sur toute la partie montage vidéo, à comment est-ce que je fais ça, et puis il y a des choses qui marchent pas comme je voudrais. Et elle, c'est son métier, elle fait ça toute la journée, et elle le fait certainement, et elle le fait bien mieux que moi, donc voilà. Donc là, je suis en train de mettre en ligne le tuto couture qu'il y aura ce soir. Donc il faut encore que je fasse la vignette. Est-ce que je ne l'avais pas déjà préparée? Parce que je sais que j'avais préparé pas mal de choses en avance. Non, je ne l'ai pas préparée encore. Donc je vais préparer la vignette, préparer la description, parce que je ne l'ai pas faite non plus, avec les liens pour le patron. Et tout ça, préparer un petit peu tout ce qu'il y a après la publication de la vidéo, qui est aussi postée sur Instagram, etc. Donc toute la communication qu'il peut y avoir derrière. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois que le tuto de la semaine dernière, je ne l'ai pas posté sur Instagram. Il faudra que je fasse ça avant. Et il faut aussi que je poste sur Instagram. Je crois, aujourd'hui, c'est encore à moi de présenter l'un des partenaires. Je vérifie. Voyons voir. Je dois présenter quelqu'un, je pense. Oui, tout à fait. Donc je vais faire ça aussi. Donc voilà, là je vais m'occuper un petit peu de tout ce qui est image, donc pour Instagram, et pour finir ma vidéo de ce soir. Voilà. Au travail. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for. Elle a failli faire le puzzle sans moi. Mais non! Pas du tout. Alors on a fait notre petite pause puzzle, donc maintenant il me reste encore un petit peu de temps avant qu'on aille à la danse. Donc je vais découper le patron Maze, je vais préparer ça un peu puisque ben, j'ai assemblé la dernière fois mais j'ai toujours pas découpé les pièces. Et il faut que j'avance quand même là-dessus, c'est la semaine prochaine le relais, donc il faut que j'avance. Demain j'ai prévu de couper tout dans les tissus, donc il faut que mes pièces de patron soient prêtes, et que j'aie repassé aussi les tissus pour la robe du relais. Voilà, et puis il faut aussi que je trouve du tissu pour faire ma tenue de stream, que je coudrai lundi, à partir de lundi sur Twitch. Allez, c'est parti. Now a whole year has gone by. I thought what we needed was time. I wish I'd known better than I do all the right things. There's so many. I regret, as so many moments pass me by, that I could and should have reached out. I wish I'd known better then, I'd say all the right words, so we could be happy again. Et bienvenue sur ce. On est le combien? C'est quel vlogmas? On en est où? Je sais pas. Je sais pas du tout. On est au vlogmas numéro 6. Je recommence.